Les frérots, salam alaikum. Envoyez vos demandes parce que je sais même pas pourquoi j'arrive pas à... Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à envoyer de demandes. Donc, envoyez vos demandes d'invitation. Envoyez plutôt vos demandes de participation. Alors, Achille, ça va? Ouais, ça me tombe. Ça va quoi? Ça va. Je ne sais pas où sont les frères Abou Mouaz et Abou Suleiman. Ils ne sont pas encore arrivés. Là, j'ai vu que tu es en train de charger ton revolver. Non, mais j'écoute plus ça. Ça, c'est un sujet, ça, c'est un sujet bouclé de Ouais, donc ça, c'est un tout, ça. sujet. T'as déjà les réserves. J'ai bouclé ça depuis, j'ai bouclé ça depuis. Ah, ok, on va écouter ton plaidoyer parce que les gens ne sont pas d'accord. Je Alaikum. sais pas où. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je sais pas où est Abou Maaz. À la Koulihel, bon, on va reprendre. Donc, c'est dommage qu'il n'est pas là parce que j'aurais bien aimé qu'il entende tout ce qu'on va dire. On va se dire là. Inch'Allah. À la Koulihel, je vais un peu répéter. Donc, avant la coupure. Moi, j'étais en train de dire que une fois, j'avais donc fait des stories où je parlais de ce phénomène des frères. Ça, c'est des musulmans, tu vois. Après, qu'ils soient plus ou moins en fonction de leur investissement dans la religion, c'est des musulmans. Il y en a beaucoup qui ont des passés qui sont quand même assez noirs, on va dire, et qui, eux, imposent d'avoir une femme qui, elle, n'a pas de passé, une femme qui n'a jamais connu d'homme, etc. Et moi, je trouvais que, pour moi, que ce genre de frère devait faire profil bas. Et donc, j'avais publié ça en story. Et donc, il y a un frère qui est venu me reprendre et qui m'a dit, non, tu ne dois pas dire ce genre de choses, parce que le prophète, salawatullah wa salam, il a recommandé une femme qui soit vierge, qui est bicre. Donc le Ah, frère donc il m'avait a peur. dit. Et donc le frère m'a dit, voilà, tu dois pas. Même si le frère, il a un passé qui est noir, même s'il a du kilométrage à son compteur, bah, s'il veut cette femme qui n'a jamais connu d'homme, etc., ben voilà, ça reste son droit. Donc. Ou qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Parce qu'après, t'as d'autres personnes aussi. Qui eux sont des personnes qui parfois ils ont eu un passé, ils se sont repentis, etc. Mais eux, ils veulent une femme vierge seulement. Donc tu as plusieurs cas. Tu as ces hommes qui eux n'ont pas eu de passé, qui ont pas eu un gros passé, mais ils ont eu un passé, ils se sont repentis. Et tu as des autres qui ont eu un très très gros passé. Parfois, tu en as même, ils sont toujours en train de vivre cette vie. De fornication, ils ont leur halal sur le côté, mais eux ils vont à droite, à gauche, etc. Et ils imposent la femme vierge. Et aujourd'hui, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Aujourd'hui, tu entends des femmes, tu sais que tu as des femmes qui se masturbent toutes seules, etc. Donc on va dire qu'on est dans une société où beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes perdent leur virginité de manière précoce. C'est-à-dire que les frères qui parfois veulent des femmes qui sont vierges, parfois certains frères, même des bons frères sérieux, ça arrive que le mariage il est retardé
Pourquoi? Parce que ce critère de virginité-là, il n'est pas présent chez la femme qui veut épouser. Pourtant, tu en as parmi elles qui vont délaisser, sont des femmes qui craignent Allah Azzawajal, des femmes de bon comportement, des femmes mariables. Femme Donc, d'expérience. femmes d'expérience parfois, etc. Tu vois. Donc, c'est qui est en train de parler avant qu'on coupe? C'est Abou Soleiman, C'est Abou Sélémane. hein? Ouais. Donc, est-ce que tu as fini ton plaidoyer? Parce qu'il y a quelqu'un là-bas, il est chaud, il a envie de tirer à balles réelles. Oh, je te dis, c'est bouclé, ouais, cette affaire, c'est bouclé. Ah, c'est Il a envie de bouclé. tirer à balles réelles. Allah Mustan. Alhamdulillah, non. Non, après, comme tu as dit, là, tu as développé, tu vois, par exemple, là, voilà, on va dire, on a deux cas. Tu as l'état des pervers, de ceux qui veulent leur nia, c'est de faire ce qu'ils ont envie de faire, et ensuite, d'aller chercher une femme vierge, comme ils disent, ma halal, tu vois, ma halal, qu'elle soit vierge et tout ça. Mais en attendant, ils voient pas tous les dégâts qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est des pervers, ça, c'est trop ça. Tu vois, des gens qui font la peur, qui propagent la perversité sur Terre. Après, tu en as d'autres qui sont dedans, ils pensent pas comme ça, c'est juste qu'ils sont dedans, ils sont dans l'illicite, et après, ils vont faire taouba, ils vont se repentir sincèrement par Allah Azzawajal, ils vont rentrer dans la constance, dans la religion, dans la droiture, et là, quand ils découvrent la religion et qu'alhamdoulilah, ils se mettent droit, ben, ils veulent ce qu'il y a de mieux, comme dit le prophète, alaykoum bil abkar, prenez les femmes vierges. Donc, après, ça peut être un choix, alhamdoulilah, mais après, en aucun cas, ça fait qu'une femme vierge, ça va être mieux qu'une femme qui ne l'est pas. Même sur ça, il y a beaucoup de paroles que voilà, qu'une femme qui n'est pas vierge des fois, qu'elle aura plus de sagesse, elle aura plus de piété parce qu'elle aura vécu plus de choses, et ainsi de suite, tu vois. Mais après, il y a une chose qu'on peut pas enlever, c'est qu'une femme vierge, tu vois, dans ce qu'on parle toujours, quand on donne un avis ou qu'on donne un Attends, toi établi tu d'avis. coupes. Tu coupes là, c'est moi qui l'entends couper ou c'est... Ouais, moi je l'entends très bas. Si tu peux parler un peu plus fort, Ouais. Ouais, parce que je dors un des voisins. Mais qu'est-ce que je voulais D'accord. dire? Vous m'entendez mieux, non? Ouais. Ouais, je t'entends mieux. Ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'une femme, une femme. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'une règle, on l'établit à partir d'une généralité, pas d'une exception. Et d'une manière générale, les femmes qui n'ont jamais connu d'homme auparavant, eh ben, c'est des femmes qui vont être plus accrochées à leur mari, tu vois, ça on peut pas l'enlever, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est important des fois aussi pour l'homme, tu vois, c'est que. Et même pour la femme, c'est valable pour la femme. Hein. Quand un homme, il n'a connu qu'une seule femme. Et wallah el adim que ça, je peux le conseiller à tout le monde. Ah, le mieux, c'est d'avoir connu qu'une seule femme et d'avoir connu qu'un seul homme. Tu vois, ça, c'est des choses qui sont. Ce sera des choses qui seront plus durables, qui seront plus fortes, tu vois. Wallahu ta'ala alam. Malgré Abou Moura, tu avais quelque chose à dire encore sur ça ou... Ouais, non, parce que je sais que tu vas faire un vrai plaidoyer, Il donc a aiguisé j'ai vu son que... stylo, Ah, frère. vous, t'as vu que vous êtes passé au moins deux, trois fois. Ouais, grave. Je veux que tout le monde puisse bien dire ses paroles, que comme ça, tout... les gens, ils ramènent leur houdjedj. Non, mais en gros, il faut différencier entre la femme vierge et la femme chaste. La femme vierge n'est pas forcément chaste et la femme chaste n'est pas forcément vierge. Je vais donner l'exemple d'une divorcée. Elle a perdu sa virginité dans le halal. Tu vois? Et ensuite, la vierge aujourd'hui, malheureusement, il y a d'autres façons de faire des choses plus sales et elle reste vierge. Donc comment on fait maintenant? Je pense que le critère, ça serait la chasteté, être quelqu'un de d'un bon comportement et pas forcément l'acte en lui-même. Et surtout qu'il y en a, ils disent, par exemple, en première, je prends ma vierge, etc. Après, en deuxième, je peux prendre une autre, même si ce n'est pas une Prendre une vierge, casserole. etc. Voilà. Alors que moi, je me dis, en vérité, il n'y a pas de différence entre le premier mariage et le deuxième mariage, dans le sens que tu choisis toujours. C'est que t'as pas l'expérience au premier. T'as pas l'expérience. Donc, tu serais plus rassuré avec une vierge. Parce que D'accord. tu te dirais Ah, moi, peut-être, je dis ah le ouais, contraire, moi. peut-être que
peut-être que c'est lui, peut-être elle a fait un truc avec lui, combien ils étaient, elle a fait avec combien, tu vois ce que je veux dire. D'accord, je te dis combien ils étaient, c'est pas en même temps. C'est combien en tout, tu vois, combien en tout. C'est ce que je veux dire. En gros, tu peux être comme ça, alors que si t'es déjà marié et que c'est ta deuxième, t'as vu, tu t'en fiches un peu, on va dire, t'as vu. Du moment qu'elle est chaste, on parle bien de... Du moment qu'elle a un bon comportement. On a le meilleur exemple, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Salallahu alayhi wassalam. Il avait jamais connu de femme, mais sa première femme, c'était une femme... Abdallah, il va amener des redoutes à tout ça là. On attend au tournant. Vas-y, Abdallah. Vas-y, Abdallah, dis-nous. En fait, le truc, c'est que déjà, il y a des choses qui sont dites que ça présume l'intention du frère qui voudrait une femme qui n'a pas connu d'homme. D'abord, le frère qui voudrait une femme qui n'a pas connu d'homme, ça ne veut pas dire forcément qu'il va considérer que la femme qui n'a pas connu d'homme est meilleure que celle qui en a connu. Ça, déjà, c'est faussé. De penser que moi, je connaissais un frère qui voulait une femme qui n'a pas connu d'homme, dans le sens que il sait très, très bien que s'il prend une femme qui a connu des hommes, lui, il a besoin de beaucoup de repères que lui, il sait qu'il ne pourra pas. Parce qu'une femme qui a connu des hommes, elle aura des désirs qui seront sur des acquis. Lui, c'est pas sur des acquis. Lui, c'est de la théorie. C'est la même chose que ce que vient de dire Abou Marad. Il a dit un truc qui est très, très intéressant. Quand on parle de celui qui veut prendre une femme, par exemple, qui n'a pas connu d'homme en première et en deuxième femme qui est divorcée, parce que la divorcée, elle a vécu la vie de couple. Lui, il n'a pas vécu la vie de couple. L'attente de la femme divorcée, c'est une attente qui est concrète. Elle sait déjà les échecs qu'elle a eus et elle ne veut surtout pas retomber dedans. Ses choix, ils seront faits par rapport à du concret. Celui qui n'a jamais été marié, il va se construire et il va découvrir le mariage avec la femme qui n'a jamais été mariée. C'est deux choses différentes. Moi, ce que je voulais dire, c'est par rapport au fait de le frère, s'il veut une femme qui n'a pas connu d'homme. Il peut avoir plusieurs raisons. Le fait de penser que c'est parce que la femme qui n'a pas connu d'homme est meilleure que la femme qui a connu des hommes, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça ne veut rien dire du tout. On est tout à fait d'accord avec vous. L'important n'est pas comment on commence, mais comment on termine. Là, on ne rentre pas dans si la personne est meilleure ou pas meilleure. On rentre de si la personne, entre questions, la personne qui veut se marier avec une femme qui n'a pas connu d'homme, il sait que le fait qu'il se marie avec une femme qui a connu des hommes, ce sera un problème pour lui psychologiquement, comme a dit le frère Abou Souleymane. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un qui est très, très cérébral, à l'image des femmes, à l'image de beaucoup de femmes qui sont très cérébrales. Il y a des femmes, elles sont très cérébrales, tu peux être très très bien avec elles, mais dû à son amour passé, dû à ce qu'elle a eu comme apaisement émotionnel par ses amours passés, ben elle ne sera pas heureuse avec toi. Elle ne sera pas heureuse avec toi. Et ça, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Et ça, c'est chez même les salafs. Une femme qui se marie avec quelqu'un qui est bien convenable, bon comportement, comme tu veux, mais elle n'oublie pas son ancien mari. Ça existe. C'est-à-dire que maintenant, un homme qui serait peut-être très cérébral est dû au fait que lui, quand il est avec son épouse, il arrive à percevoir toutes les choses que elle peut faire dans un esprit comparatif. Ça peut avoir des répercussions dans le couple. Moi, je donne juste un cas comme ça. Il y a beaucoup de cas comme ça. Ça, je donne juste un exemple, j'en ai plein. Maintenant, quand on parle de ça, moi, je veux sortir juste ce que les oulamas, ils disent. Il y a des livres d'oulamas sur ça. Il y a des livres qui s'avancent sur ce point-là. C'est-à-dire que quand le frère, par exemple, Abou Souleymane, il a donné le hadith et il te dit que le prophète Sassim, il a recommandé une femme qui n'a pas connu le mariage. Le terme, ce ne serait pas forcément vierge ou pas ça, je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que les koutoubs que moi, j'ai pu lire, c'est que les oulamas, ils ont parlé sur ce fait-là. La femme qui n'a pas connu d'homme, c'est ta femme. C'est-à-dire, la parole, on te dit comme ça, la femme qui n'a pas connu d'homme, c'est ton épouse. La femme qui a connu un homme avant toi, c'est toi son mari. C'est elle qui choisit, c'est toi son mari. C'est deux choses totalement différentes. Et donc, le fait qu'il y a certains hommes qui, pour eux, ils pensent qu'ils pourraient être injustes parce que par leur perception, vous savez, il y a des gens, ils ont une analyse très synthétique.
il arrive à voir cette chose-là et il arrive à il va mal le vivre. Est-ce qu'un frère du genre, il devrait aller jusqu'à se dire, à penser à se dire, non, moi, j'ai peur avec cette femme-là parce que il se peut qu'elle a connu 2-3 hommes dans la dunia, etc. J'ai peur d'ici de ça. Qu'ils peuvent ou pas, tu ne pourras pas enlever le ressenti. Tout comme tu ne peux pas enlever la jalousie, dans la femme. Mmh. La jalousie, ça a été prescrit à la femme. L'homme, il y a des choses, c'est comme ça. Il y a des hommes qui ne pourront pas. Comme je te l'ai dit, il y a un méchir qui il a dit une phrase. La phrase, elle est peut-être crue, je sais. Elle pique, mais elle peut se comprendre. Il te dit, moi, il y a certains frères, je peux comprendre que pour eux, ça peut être difficile que sa descendance sort d'un endroit où plusieurs hommes sont passés dans le haram. Et on peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir des westways sur ce point-là. Et c'est pour ça que la recommandation prophétique, elle est pour l'homme, mais on voit la femme, elle sera plus accentuée sur d'autres choses. Il y a des spécificités qu'on va donner à la femme. Mais ça ne veut pas dire forcément que celle qui a connu des hommes au préalable et qui a fait taouba, elle est moins bonne que celle qui a connu. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. De la même manière que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recommande une femme féconde, bah, c'est la même chose, on ne va pas dire que si la femme est stérile, c'est une femme avec un bon comportement et tout ce que tu veux. Mais si lui, le frère en question, pour lui, c'est important que lui, il veut avoir un enfant avec cette femme parce que lui, il voit à travers ça une manifestation physique de leur union, libre à lui, les frères. Moi, c'est dans ce sens-là que je dis ça. C'est pas dans le sens de on dénigre les sœurs parce qu'elle a connu ou elle a pas connu. Non. Par rapport aussi à ce que tu as dit, Mohamed Lamine, par rapport à ce que tu as dit, par rapport aux frères qui ont on va dire, été des Lucky Luke. Ils ont été des Lucky Luke, et puis après, voilà. Moi, il y a une distinction entre, comme a dit frère Abou Suleiman, c'est dans le sens que la personne qui, elle fait taouba, et par rapport au fait que, comme tu dis, c'est un pervers, il a son truc. Il est là, il met ça entre guillemets, comme on dit à l'ancienne, sa halal de côté, il fait ses petits de l'autre côté. Alors, il est juste, il va se passer ce qui doit se passer. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que, mais chez les salafs, et j'ai pas envie de donner des noms, mais chez les salafs, il y avait des gens qui faisaient des trucs très, 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 très fous dans la djihadia, mais pourtant, après, on leur a recommandé de prendre une femme qui n'a pas connu d'homme. Voilà. Et puis quand on va dans les koutoubs, quand je reviens encore dans les koutoubs des oulamas, par exemple, quand on a parlé de la caractéristique et l'importance de la virginité, c'est-à-dire le chapitre où on va donner l'importance de la chasteté de l'homme comme chez la femme, et on va appuyer sur la femme, on va te ramener quoi ? Je me rappelle, Inch'Allah, je te le ramène, tu mettras même dans la story. On te dit quoi ? On te dit, mais les prophètes, leurs épouses n'étaient que des divorcées. C'est vrai que... les savants, ils t'expliquent pourquoi. Ils te disent parce que si elles avaient des mœurs au préalable qui auraient été mauvaises, ça aurait pu porter atteinte à leur intégrité. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui peut-être, c'est des personnes haut placées. Je dis haut placées, vous me comprenez, des leaders dans la sphère de la religion musulmane, des personnes qui sont importantes. On peut les porter préjudice par ce point-là. On l'a déjà vu même chez les koufars, par des politiciens. Lui, il parle, son épouse, avant, elle faisait ceci, elle faisait cela, et ça porte atteinte au message qu'il veut faire. Voilà. Donc, c'est sur ce point-là. On vient pas dénigrer la femme qui a fait ses erreurs et qui a fait taouba. On n'est pas dedans. On est ce qui convient pour chacun d'entre nous. Au même titre qu'une femme, par exemple, moi, je donne un exemple. Une femme... Tu viens, tu vois un frère, il est mashallah, comportement, tout ce que tu veux. Mais après, tu te rends compte ou tu as entendu que avant d'être dans le dîme, c'était un homosexuel. Moi, je pose cette question-là. Et ça, ce cas-là, on est déjà venu me le dire. C'est-à-dire, une sœur qui est venue me dire, le frère, il est comme ça. Il a fini le Coran, il a fait ceci. Il a fait cela, mais j'ai appris que avant, il était homosexuel. Elle a dit, moi, même si je sais que le frère, il est mashallah,
je ne pourrais pas. Dans ma tête, c'est pas possible. Comme, je comme, ne comme, donnerai pas le droit que je dois lui donner. Ouais, ouais, ouais. Comme aussi quelqu'un t'apprend que t'es machal et bien dans le dîn, etc. Mais t'apprends comment l'islam il a pointé, c'était un violeur, etc. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Parce que maintenant, c'est chacun d'entre nous ce que tu peux supporter, ce que tu peux pas supporter. Si tu sais que tu pourras. C'est dans ce sens-là. Et faut qu'on arrête un peu de. J'ai envie de dire, faut qu'on arrête de faire du ping-pong. Oui, mais lui. Oui, mais elle. Oui, mais lui. Oui, mais elle. On n'est pas constitué pareil. On n'a pas les mêmes demandes. On n'est pas pareil. Demande pas à un homme de mettre des soutifs. Demande pas à un homme de mettre des soutifs. On n'a pas les mêmes besoins. On n'a pas les mêmes priorités. La virginité peut-être chez un homme. Chez un homme, elle est moins importante pour une femme, mais demande pas que ce soit l'inverse pour un homme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en avant cette recommandation à Baden. Non. Et si les savants ont fait des livres sur ça? Non. C'est ça, c'est juste dans ce sens-là que moi je veux dire ça. Après, on dénigre pas nos sœurs, il y a pas de souci sur ce point-là. Moi, Barakallahu fik akhi. Les frères, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? J'entends des histoires là, frère, froid dans le dos. Bah, par exemple, quand tu vois à l'époque du prophète, alayhi salam, quand il conseillait de marier les vierges, etc. À l'époque, ça se mariait à 9 ans, 10 ans. Aujourd'hui, il va en trouver à 25 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste beaucoup plus dur, en fait. Donc, il faut s'adapter malheureusement au temps. Mais tu peux en trouver, hein, attention. On n'est pas en train de dire non plus tous les frères et sœurs, ils ont tous forniqué avant le mariage. Il y en a plein qui se préservent avant le mariage, quand même, tu vois. On dirait, ça y est, tout le monde est. Tu vois, il y en a, alhamdoulilah. Maintenant, c'est pas le truc. Est-ce que, justement, par rapport à ce que tu dis, Abou Mourad, et ça, c'est ce que disait un de mes chers, il me disait, le truc, c'est que, comment dire, il m'a dit quelque chose que ça m'a un peu piqué, parce que je me suis dit que c'est un peu vrai. C'est, est-ce qu'on n'a pas amoindri la gravité de la chose? En parlant de... Est-ce qu'on n'a pas un peu amoindri? Parce que tu vois, même quand tu regardes dans l'histoire, même dans les sociétés anciennes, qu'elles soient musulmanes, qu'elles ne soient pas musulmanes, ou ce que tu veux, la virginité avait son importance. Bien sûr. Et le fait, tu vois, et le fait de forniquer aussi, c'était très mal vu, parce que je crois que c'est... C'était très mal vu, tu vois. Je sais plus si c'est Umm Salama ou quelle femme qui est venue prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit quoi? Il lui a dit, il a prêté allégeance, il lui a dit ne forniquez pas. Elle a été étonnée, parce qu'elle a dit, est-ce que la femme libre fornique, toi? Est-ce que la femme noble est fornique, toi? Elle a été étonnée de ça. C'est ça que je suis en train de dire. Est-ce que aussi, il n'y a pas aussi le, tu sais, il y a trop le, on entend trop le, ouais, mais c'est qui pour juger? On juge pas. Voilà, elle a fait taouba. Moi, je suis d'accord. Mais le problème, c'est au préalable. Pourquoi on fait pas des travails de prévention? Pourquoi, si cette chose-là, on marque et on grave l'importance de cette chose-là, ça va dissiper. Il y aura de moins en moins de zina. Il y aura de moins en moins de choses comme ça. Non, mais plus personne ne va se marier à cette heure-ci-là. il faudra des générations avant que ça devienne normal. Le problème, c'est que nous, on rentre dans le cas de... Parce que quand tu parles comme ça, on rentre dans un cas fataliste. C'est-à-dire que, non mais, on a déjà trop gâté le coin. Malheureusement, Harry, mais c'est pas fataliste, c'est réaliste en vérité. Parce que la réalité d'aujourd'hui, elle fait que, Harry, aujourd'hui, des 13 ans, 14 ans, fornication, etc., 13-14 ans. Colonie de vacances, les parents, ils envoient leurs enfants. Oui, il va jouer. Elle est dans la tente et tout ça, il joue. Voilà, colonie de vacances, sexe à gogo. Après, je pense que le changement que nous, on pourra apporter, c'est que, alhamdoulilah, Allah, il a fait que on est quand même beaucoup de frères de notre génération. Alhamdoulilah, on est rentré dans le dîn, soit des convertis ou autres, et on essaye d'éduquer nos enfants
Peut-être que là, avec en éduquant nos enfants d'une bonne manière, là, on va essayer de changer les choses. Mais Même sur ça, il y a un travail. Moi, je te dis même la sur ça, il y a vérité, un travail. même sur ça, il y a un travail parce que le problème, c'est que on a, voilà, même les frères Hamdoulilah et les sœurs sont rentrés dans le dîn. Bah, le problème, c'est que tu sais, tu ne donnes pas ce que tu n'as pas. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Moi, je parle, je vois avec certaines personnes que j'ai vues, quand je les entends parler, je vois qu'il y a des choses dans le dîn. Pour lui, ce n'est pas forcément. Il sait que c'est haram. Il sait qu'on ne va pas le faire, mais il ne va pas marquer l'importance dedans. Peut-être parce que lui-même, au préalable, il était dedans Les et il conserver. l'avait amoindri. Et c'est ça le problème, en fait. Tu vois, le problème, il est là. Le problème, il est que si, tu sais, si dans, même en dehors de la virginité, même si on met la virginité de côté, mais je te donne un exemple. Si, par exemple, tu vois que ancré dans la tête des sœurs, que, par exemple, quelqu'un qui est dans le dîn, lui, pour lui, il faut une femme minimum. Elle soit mastoura. Bah, la femme qui veut se marier, elle va se préparer déjà automatiquement d'elle-même et psychologiquement à être voilée. Mais si elle sait que, moi sur 10, il y en a au moins 5-6 qui peuvent accepter, bah, moi j'ai qu'à choisir les 5-6 Bah qui oui, vont ça c'est un accepter. problème, ça. Ça c'est un problème, ça c'est comme dans les divorces. T'as des sœurs, excusez-nous les sœurs, parfois, malheureusement, elles vont en faire voir de toutes les couleurs à leur ex-mari. Elles vont divorcer, etc. Demain, elle sait qu'elle va se remarier directement, alors que normalement, subhanallah, il devrait avoir une union des frères que non. Et faut attends, d'où tu viens? Comment ça se fait que t'es divorcé, etc. Et pareil aussi, tu vois. Et parfois c'est des frères, ils en font voir de toutes les couleurs à leur ex-femme, mais il arrive à aller se remarier comme ça. Il trouve une sœur qui, subhanallah, tu vois. Personne fait l'effort de savoir vraiment pourquoi il a divorcé. Il faut que la personne qui se marie, qui joue comme ça, faut que ce soit une punition pour lui, en fait, qu'il puisse pas se remarier comme ça aussi si facilement. Mais Non, en aujourd'hui, t'en fait, as, voilà, il passe d'une femme à une autre, d'une femme à une autre, et pareil pour les sœurs, il passe d'un homme à un autre. là, vous pointez des problèmes, mais quelle est la source de ces problèmes-là? C'est qu'il n'y a plus de communauté. Il n'y a plus, C'est ça? personne ne se sent responsable, personne. Il traite le sujet, il a raison. En fait, on est tous chacun pour soi, tu vois. Il y a chacun pour soi. Regarde, si par exemple, un truc tout bête, toi tu es un homme, on sait tous comment le corps de l'homme il fonctionne, les envies qu'on a. Comment tu laisses, que ce soit ton fils ou ta fille, baigner dans la mixité à l'école pendant des heures, tu vois, pendant des années, pas voilé. Au contraire, il y a des parents qui veulent pas que leur fils voile. Et à la fin, tu viens, tu t'étonnes qu'il y a du zina. Tu mélanges tous les jeunes ensemble dans cette société de fous. Et après, tu viens, tu t'étonnes qu'il y a du zina. Mais parce que l'éducation, déjà, elle est zéro au Voilà, c'est début. On ne préserve pas nos enfants. l'application. On ne préserve pas nos enfants. Bah, ces enfants, ils vont grandir et voilà ce que ça va donner. Donc, malheureusement, il faut être réaliste et vivre avec ton temps. C'est bien de sortir les valeurs des Arabes d'il y a 1400 ans. Mais frère, t'habites en Île-de-France ou t'habites je sais pas où, t'as vu, sois sérieux, tu vois ce que je veux dire. C'est faut être raisonnable. Ah, t'as raison, frère. Abou Maaz, Abou Soleiman, dis-nous. Non, je disais, bah ouais, pareil, le fait de leur laisser tu vois, certains, ils leur laissent, tu vois, les applications de nos jours, les trucs, je sais pas moi, tout ce qu'il y a, tu vois, tu leur laisses trop de choses où Trop de il y a liberté. de la, pas trop de liberté, mais tu vas leur laisser des trucs où tu sais qu'il y a de la fitna, tu vois, tu sais qu'il y a de la fitna là-dessus, tu vois, tu laisses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je veux dire, au bout d'un moment, si tu fais pas les causes pour les préserver, c'est normal qu'au bout d'un moment, bah, Allah le Moustaghan, ils vont être assujettis à la tentation, tu vois. Ah, franchement, quand même, en aide, c'est Ensuite, vraiment. Abdullah, j'ai une question à te poser. Parce C'est qu'apparemment, quoi? de ce que j'ai compris, toi, tu cherches une vierge. C'est ça? Oui, franchement, oui. C'est pas normal, Moi, t'as tout à fait le droit, hein. C'est normal, tu vois. Bon, En fait, la question que je te pose, les prétendantes, maintenant vous savez. la question que moi, je ça n'a te. pas été ça, ça n'a pas été ça mon problème, hein.
Moi, c'est, moi, quand tu dis qu'il y a, moi, il y a beaucoup de soeurs qui sont préservées, non, ça n'a pas été forcément ça le problème. Oui, le problème, il a été beaucoup plus. Le problème, il est beaucoup plus dans. Tu sais, le problème, il est beaucoup plus dans. Comment dire? Dans ce que tu vois quand tu as un mode de vie, que la personne, elle corresponde à ton mode de vie. Ouais, hein. C'est sûr. Pas réellement. La relation. En fait, la question que je pose, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce que veut dire vierge? Bah, au fait, j'en parlais avec avec ma famille de Lamine. Je lui disais le problème c'est que on arrive à des stades où on a besoin de réviser et de revoir clairement notre perception de la vie sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. Et c'est ça qui a des répercussions dans la vie de couple. C'est pas forcément l'acte en lui-même, c'est pas forcément le fait que, par exemple, une sœur, elle a perdu sa virginité ou autre. C'est pas l'acte en lui-même, en vérité. Hein. C'est les conséquences qu'il y a derrière. Par exemple, comme je le disais à Mohamed Lamine, tu vas voir que l'époque actuelle, quand tu vas entendre quelqu'un qui fait zina ou que tu vas entendre quelqu'un qui a fait du haram sur ce point-là, c'est pas le même haram qu'avant. C'est poussé à l'extrême. C'est poussé à l'extrême. J'ai raconté à Mohamed Lamine, je te dis, par exemple, un frère qui, lui, s'est marié et puis l'ex de son épouse lui a envoyé une vidéo où il faisait hachak avec elle. Tu vois? Parce que comme on est dans une époque de narcissisme, une époque de insouciance extrême, ça peut avoir des conséquences terribles. Ou non, sinon, je te donne un autre exemple. Il se passe vraiment des trucs de fou. Il se passe des trucs de fou. Voilà, il se passe des trucs de fou. Peut-être une femme. Moi, je connaissais quelqu'un. Bah oui, je connaissais quelqu'un. Bah, la femme, elle prenait son plaisir dans l'interdit, dans une pratique qui est interdite. Et comme elle a été frustrée de ne plus avoir cette pratique-là, bah finalement, ça n'allait pas du tout dans le couple. Et elle pensait à quitter son mari par rapport à cet acte-là. Parce que elle n'a connu le plaisir que par cette voie-là. Non mais Harry, il y a trop d'histoires comme ça, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Comme chez les hommes aussi, hein. Attention, chez les hommes aussi, on entend des histoires bizarres. Moi, je connaissais une histoire bizarre où c'est un homme, par exemple, lui, il prenait du plaisir dans le sadomaso, le délire sadomaso. Et puis lui, il s'amusait à, je sais pas, tu vois, il prend des cigarettes, il brûle sa femme, lui, sinon, il a pas tout plaisir. Tu te dis, mais non, c'est des cas isolés. Tu vas te dire, c'est des cas isolés. Mais le problème, comme l'a souligné Mohamed Lamine, comme tout est trop exposé par les films pornographiques, par tout ça, bah, ça devient banal. En plus, tu sais, il y a un problème, tu vois, qui va parfois être très gênant. Et certaines, moi, j'enjoins les sœurs à vraiment faire attention à cela. C'est que les femmes, c'est que quand la femme, elle va comparer son mari dans le halal et les gens qu'elle a connus dans le haram. Et il y en a qui le font comme ça, aussi. Wow, tu vois. Ça, c'est un grand problème. Il y en a qui le font, il y a des sœurs qui le font, malheureusement. Elles vont le faire, oui. Ouais, mais vas-y, dans la djahiliya, c'était mieux. Tu vois, il y en a, ils ont aucun respect. Tu sais, il y a quelques années, subhanallah, quand je suis rentré dans le din, il y a un frère, il m'a raconté une histoire, subhanallah, tu vois, c'est une sœur, tu vois, parce qu'à l'époque, c'était il y a 9 ou 10 ans, tu vois. C'est pas comme aujourd'hui, tu vois, toutes les photos dans le téléphone. Tu vois, les gens gardaient les photos, tu vois. Un frère, il l'a retrouvé, tu sais, il s'est marié avec une sœur, tu vois, il a vu que la sœur était très osé, tu vois, faisait beaucoup de choses osées, tu vois. Donc, il a demandé, mais c'est quel ce genre de femme et tout ça, tu vois. C'est quoi ce genre de femme et tout. Et puis, il a retrouvé des photos de ses ex et tout ça, tu vois. Tu sais, c'est des Renois musclés et tout ça, tu vois. Donc, frère, tu vois ce que je veux dire. Donc, parfois, c'est ça. T'as des femmes, mais. Bon, en fait, beaucoup, ils ont peur. Beaucoup, ils ont peur. Ils ont peur que le passé de leur femme les rattrape dans le mariage, tu vois. C'est pas vraiment peur, parce que tu vois, la personne, normalement, elle connaît, tu vois, tu vas connaître ton épouse.
tu vas connaître, normalement, tu vas connaître ton épouse. C'est à l'homme d'être, si tu veux, d'être, d'avoir une analyse et de savoir, de savoir percevoir les besoins de ton épouse ou pas. Le problème, il n'est pas forcément là. Le problème, il est surtout dans la manière de fonctionner de chacun d'entre nous. Ça veut dire, tu vas dire à une femme, faut pas faire ça. Mais si ça se passe dans sa tête, tu vas lui reprocher ça comment, frère? En fait, c'est ça le truc. Si ça vient dans sa tête, que elle, automatiquement, elle le fait, même elle le dit à personne, mais c'est dans sa tête, tu vas lui reprocher comment, frère? Tu vas lui reprocher comment et pourquoi? Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire, si dans sa tête, déjà, elle a eu des ressentis émotionnels dus à une expérience passée, et que maintenant, quelque chose qui se passe lui fait revenir, lui fait rappeler cette chose-là, toi, tu vas lui interdire ça comment, en fait? Comment tu vas faire, en fait? Ah, ça, tu peux pas lui interdire. Ça, c'est des choses. Tu peux pas lui interdire ça, frère. Ça, c'est des choses qui viennent. C'est des choses. Voilà, ça vient tu tout peux seul. Pas lui reprocher ça. Tu peux pas lui reprocher ça. Donc, ça veut non, dire, non, c'est à toi. Que le ressenti, il soit intérieur, c'est une chose. Mais qu'elle le fait savoir à son époux, ça, c'est autre chose. Oui, qu'elle le fait savoir. Ça, c'est... Mais maintenant, si toi, elle te le fait pas savoir, mais toi, tu le sais. Parce que moi, je connais des frères qui sont venus me voir, ils me disent, je sais. Moi, je sais. Tu fais comment maintenant? Parce qu'il y a des frères. C'est très, très chaud. Hein. Bah, c'est après, ça le c'est problème. Très, très chaud, hein. C'est pour ça on arrive juste à. Moi, personnellement, j'arriverais pas à rester dans une relation comme ça. Merci, tu vois. Donc, finalement, si toi, tu sais déjà que tu as une analyse synthétique. Non, mais. Et là, tu arrives à faire. Non, mais parce clair, que. Les gars, il y a des hommes, c'est des challengers. Ça veut dire qu'ils vont rentrer dans un mariage. Bon, je sais que malheureusement, elle a eu un certain passé. Moi, je suis un challenger. Je vais essayer d'être pardon, le mieux, etc. Si tu veux qu'on parle vrai. Regarde, je vais te donner encore un autre exemple. On va parler vrai, je m'excuse. Moi, je connais un frère qui s'était marié et puis qui me dit, comme ça, clairement, il me dit, moi, je suis dans un dilemme parce que je sais clairement, elle m'a rien dit, hein, mon épouse, elle est bien, tout ce que tu veux. Mais je sais clairement qu'il y a un homme qui connaît ma femme comme je ne la connaîtrai jamais. Dans le sens que cet homme-là a fait des pratiques avec elle que lui, il sait, il ne le fera pas parce qu'il y a des choses qui sont interdites dans l'islam. Et lui, il a du mal à vivre avec ça. Et ça, c'est de l'ordre du ressenti. Ça veut dire, c'est pas de l'ordre de tu vas lui dire, oh, Oudoubillah, mais pourquoi il fait ça, frère? C'est pas question de pourquoi il fait ça. On n'est pas dans pourquoi il le fait ou il le fait pas. C'est un ressenti. Au même titre que la femme à côté qui va faire un comparatif par rapport à son passé, c'est un ressenti. Là, on est dans le ressenti. Chaud. Le ressenti, il se contrôle pas. Tu vas faire comment? Et si lui, maintenant, il a son ressenti qui persiste, et il est injuste vis-à-vis de sa femme qui est mashallah et qui est pieuse. Mais il sera injuste vis-à-vis d'elle, c'est pas bon. Au même titre que si une femme ne te plaît pas, c'est pas sa faute, c'est pas ta faute si elle te plaît pas, cette femme-là, si tu la trouves pas à ton goût physiquement. Mais si parce que tu la trouves pas à ton goût physiquement, tu seras injuste vis-à-vis d'elle. Bah, c'est la même chose. C'est dans ce sens-là que moi je te parle. Je parle pas dans le sens de dénigrer chacun. Ou on n'est pas dans ça. On est dans l'ordre du ressenti et de l'ordre de faut que tu sois disposé à donner ce que tu dois donner à ton conjoint ou à ta conjointe. Voilà. Quelqu'un te dit comment les gens peuvent savoir ce qu'on pense. Il faut savoir qu'il y a des femmes au jour d'aujourd'hui, elles n'hésitent pas à faire savoir ça à leur mari. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une situation où, subhanallah, il y a tellement d'ignorance que tu as des femmes, lorsqu'elles se marient, elles viennent et... elle parle à leur époux, tu vois, et l'époux aussi, il est ignorant, tu vois, il se lâche. Moi, je connais un frère, il parlait avec son, c'était la divorcée, il parlait avec son ex-femme, sa femme, elle disait, ouais, tout ça. Elle lui racontait les plaisirs qu'elle avait eu avant le dîn, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et elle lui dit, oui, la meilleure relation que j'ai eue, c'était avec tel, 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 tel. Et le frère, il est venu, il m'a raconté ça, tu vois. C'est pas normal, tu vois, donc, il y en a qui disent comment ils vont savoir ce qu'ils pensent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus de limites en termes de couple. Il faut réapprendre aux gens que ce que tu as fait dans le haram, déjà c'était haram, tu n'as même pas à en parler. Mais en plus de ça,
Moi, je trouve que, tu sais, moi, je trouve que à partir du moment où c'était dans le haram, je trouve que c'est même minable de comparer son époux, tu vois. Moi, j'en suis à là. Non, mais tu peux le savoir sans parler, hein. Bah, franchement, Mohamed Lamine, tu peux le savoir sans parler. Franchement, même moi, il m'est arrivé de médiatiser ça. Il y a une sœur a dit ça, elle a dit pareil que toi, elle a dit, même sans parler, il y a des choses que tu peux savoir. Même moi, j'ai médiatisé certains coups. Il y avait des problèmes. On n'est même pas rentré dans le domaine de l'intimité, mais juste la gestuelle, la manière dont tu parlais, la manière dont... Moi, je savais qu'il y avait un problème là-bas. Tu vois? Il y a des choses comme ça. Il y a de la communication non verbale que la personne. Si c'est une personne qui a une analyse très synthétique, il va le voir. Hein, juste par ta gestuelle, juste par beaucoup de choses, il peut voir. Et c'est pour ça qu'il faut. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous doit savoir sur quoi il peut et sur quoi il peut pas. C'est tout. On n'est pas là pour dénigrer des gens. Mais c'est pour, il faut savoir être juste vis-à-vis de la personne avec qui tu t'engages. C'est tout. Ah, calamisette, vraiment. Non, vraiment. Il y en a dans les commentaires qui disent « Ouais, c'est des musulmans. » Vous croyez que les musulmans, c'est « Alhamdoulilah », tu vois, ils ont le tawhid, etc. Mais il y a des musulmans qui font des péchés très, très dangereux. Hein. Calamisette, venez en aide, faut franchement, pour demander à Allah. Tout le monde, c'est ça. Il faut arrêter un moment. Il faut qu'on arrête de faire semblant. Il y a des graves problèmes dans la société, dans la communauté musulmane. Et on ne traite pas ces problèmes de fond. Il y a des vrais problèmes dans la communauté musulmane. Les problèmes, que ce soit dans l'ordre de la sexualité, que ce soit dans l'ordre du narcissisme, de l'individualisme, on doit traiter ça. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans l'élite musulmane qui ne font pas ce travail-là. Ce travail doit être fait. C'est tout. Abou Mouaz, dis-nous un peu. Ouais, par rapport à tout ça, dans la vie. Comment on peut endiguer ces problèmes-là? Ces gens pas. Qui se prennent Allah. Tu ne peux pas, parce qu'il faut tout refaire. En fait, il faut une société musulmane. Il faut une société islamique qui éduque et qui donne les droits aux gens, qui demande les devoirs aux gens. Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne qui fait ça. Chacun pour soi, c'est tout. Et ça va être de pire en pire. Et ne t'attends pas à trouver l'idéal en France, encore pire en Île-de-France ou quoi que ce soit. Ça y est, demain ça sera pire. Cherche pas que ce soit meilleur, demain ça sera pire. Adapte-toi. Calme le guide. En tout cas, le message pour les frères, mais encore plus pour les sœurs, je pense, c'est que, là, vous savez, là, le fait que la femme elle se préserve, ce prendre là, c'est la fierté d'un peuple, hein. C'est la fierté d'une famille, c'est la fierté de tout le monde, plus encore qu'un homme. C'est l'île de France. Le fait que la femme. L'île de France, c'est parce que je connais. Je ne vais pas parler de Marseille. En tout cas, le fait que la femme elle se préserve, ce prendre là, c'est une fierté pour la famille, c'est une fierté pour son mari, c'est une fierté pour ses enfants, c'est un honneur pour tout le monde. Donc, et l'homme aussi, hein, parce qu'il y a certains qui vont dire, ouais, les hommes. Non, on n'est pas en train de dire que l'homme, il doit déroger à la règle. L'homme aussi doit se préserver. Mais après, voilà, culturellement, religieusement, l'accent, il a été mis surtout sur la femme, parce que la femme, c'est le socle de la maison, c'est le socle de la famille, etc. Donc, c'est, voilà. C'est par là qu'elle donne la vie, frère. C'est par là qu'elle donne la vie. C'est par l'endroit où peut-être elle a fauté qu'elle donne la vie. Moi, je suis désolé. Moi, la phrase que mon chéri l'a dit, elle a piqué à mon oreille. Elle a piqué à l'oreille. Moi, je peux comprendre des frères qui n'acceptent pas que sa descendance sorte d'un endroit où plusieurs hommes sont passés dans le haram. Frère, elle pique à l'oreille, hein, cette phrase, frère. Abou, t'es d'accord avec moi qu'elle pique à l'oreille quand même. Bah, c'est la vérité, c'est tout. Voilà, c'est ça. Maintenant, le fait que la femme est bonne. Et le fait qu'Allah, par sa sagesse, la femme qui a connu des hommes, c'est visible, et que l'homme, c'est pas visible, il faut se poser la question. Les deux, c'est fini devant l'homme. Je suis d'accord avec vous. Mm-hmm. Il faut se poser la question. Mm-hmm. Il y a quelqu'un qui dit, donc d'après vous, les femmes en France, elles sont toutes dévergondées. Non, jamais. Moi, je vous ai dit, moi... Il y a beaucoup de sœurs qu'on m'avait présentées, ben, c'était préservé. Hein. C'est pour ça que je dis à Abou Mouad, c'est pas forcément le, c'est pas, c'est pas, c'est pas,
forcément ça. Il y a d'autres choses, c'est le mode de vie, tout ça. Et puis, Il y a beaucoup de sœurs en France, elles se préservent. Voilà, il y en a beaucoup. Il y a des sœurs qui se préservent. Et puis, c'est pas que ça. Comme tu l'as dit à pouvoir, il y a des femmes qui, elle va t'apporter tellement quelque chose. Il se peut, hein. Il y a une femme, elle va t'apporter quelque chose, une sérénité qui fait que, justement, ces craintes et ces, tu vois, ces craintes, ou même le fait que dans le mariage, tu peux avoir des suspicions, tu as du mal à accepter ou des choses comme ça, elle te le fait oublier par la parure et l'embellissement de ce qu'elle te ramène dans ta vie. Moi, je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas de problème sur ce point-là. Sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais même si on va dans ça, malheureusement, même niveau comportement, à l'heure actuelle, on est tous éclatés. Donc, même sur ce point-là, pour contrebalancer, c'est problématique. Il y a des choses à régler et à vraiment discuter en profondeur au sein de la communauté musulmane. La question aujourd'hui aussi, hein, comme la perversité s'est répandue à tous les niveaux, aujourd'hui, tu as des filles qui sont vierges, mais elles ont fait d'autres pratiques. Mais en théorie, on va dire, elles sont vierges. Tu vois? Comment tu fais? Est-ce que tu vas te dire... Comme j'avais dit à Mohamed Lamy... Peut-être qu'elle a fait ça ou pas, tu vois? Après, de toute façon, comme j'ai dit à Mohamed Lamy, le truc, c'est pas l'acte en lui-même, je répète. C'est pas le fait qu'elle ait fait l'acte en lui-même. C'est un état d'esprit. C'est la chasteté. Il y a un état d'esprit. Et voilà. Si on parle du truc, la chasteté. Ouais. Maintenant... Comme tu l'avais dit, je dis, il y a des femmes, peut-être aucun homme les a touchées, mais dans son cerveau, elle est bousillée. Exactement, et peut-être qu'il y a certaines femmes qui, peut-être, elles ont fait des erreurs, mais elle est équilibrée sur ce point-là. Moi, je parle surtout des conséquences que ça peut ramener. La personne, quand elle veut se marier, elle regarde en face d'elle ce que elle peut supporter ou quelles conséquences elle peut porter pour pouvoir aider la personne. Mais il y a des choses, on ne peut pas reprocher à quelqu'un que lui, non, il ne peut pas. Comme je l'ai dit, au même titre qu'une sœur qui me dit moi, c'est un bon frère, mais je sais qu'il était homosexuel, je ne pourrais pas le respecter. Donc, non, il a baissé dans mon estime, même si je sais que c'est un frère, machallah. Il faut bien comprendre, c'est de si t'as grandi, imaginons dans le 93 ou 92, et que t'as un lourd passif, t'as un casier très très lourd, va te marier à l'autre bout du monde, frère, tu vois, te marie pas là où t'es, là où t'as grandi. Ça aussi c'est un problème, tu vois, parce que des fois t'as des femmes que tu as connu, tu sais, de ta cité ou quoi, que tu as connu totalement dévergondée. Et après, tu les vois se marier, etc. et tout, et se mettre dans le din et tout. Tu es content pour elle, mais tu te rappelles toujours de ce qu'elle était avant, tu vois. Alors que ça serait mieux qu'elle se barre l'autre bout du monde. D'ailleurs, personne ne la connaît. Et là, tu peux refaire ta vie tranquillement, tu vois. Ah, c'est mieux. Et j'allais dire quoi? Parlons d'un sujet aussi qui est intéressant et qui touche les célibataires. C'est, on parle, depuis tout à l'heure, on parle de la banalisation et de la fornication, etc. Quand on était jeune, tu vois, on était dans les quartiers, etc. Tu sais, il y avait des gens qui faisaient des bêtises, tu vois. Mais généralement, ça s'arrêtait à la vente de la drogue. Moi, je me rappelle quand j'habitais dans 93, à Clichy-sous-Beaumont-Fermeil, les gens, ils vendaient pas de l'héroïne, etc. Tout ça, ça se vendait sur Paris, tu vois. C'est-à-dire que les gens, ils avaient certaines limites. Moi, j'ai un ami d'enfance à moi, un de mes meilleurs amis. Il est parti en prison pour proxénétisme. Au jour d'aujourd'hui, t'as des musulmanes, elles vendent leur corps, escort girl, etc. Et pour ça, elles sont célibataires. Ce prénom-là, comment
comment avant c'était tout qu'on entendait pas dans la communauté noire ni dans la communauté maghrébine qu'une femme, qu'une fille, elle va. Il y avait un site là, il s'appelait Viva Street. Tu vois, il y avait un site appelé. Ouais, je n'avais pas regardé, je ne sais pas s'il existe encore, mais il y a eu des reportages sur ça, tu vois. Et il y a un frère, Spanal, il est venu me raconter une histoire. Il y a un frère, quelques jours, et Inch'Allah, on fera un live avec ce frère-là, on va l'inviter. Un frère, il fait l'avocat, etc. Il m'a expliqué qu'un père, il mettait la pression à sa fille pour que sa fille, elle aille travailler. Tu vois, c'était des sonniqués. Il a mis la pression à sa fille pour que sa fille, elle aille travailler, etc. Tu vois. Parce que dans le pays, tu vois, quand la fille, elle atteint un certain âge, il faut qu'elle aide sa famille. Toi, t'as, je sais pas moi, on t'a nourri jusqu'à 22, 23 ans. Au bout d'un moment, faut que tu te lèves, il faut que tu aides tes parents, tu vois. Et la fille, elle voulait pas aller travailler. Bref, elle n'a pas trouvé de travail, etc. Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, elle a commencé à être devenue escort girl. Escort girl. Ah ouais, c'est Et ils se font direct. beaucoup, ouais. Et ben, une fille, elle est venue, elle lui a parlé de ça. Elle est devenue escort girl. Et escort girl, ils se font et beaucoup d'argent. Je crois, des nuits, ils se font des 500, 600, 700 euros par nuit, tu vois. Même plus, peut-être, tu vois. Bref, après, son père, il était content, il prenait rien de sa fille, etc. Après, un jour, il est parti voir un marabout, il lui a demandé d'où elle ramène cet argent, tu vois. Après, le marabout lui a pu lui dire, tu vois, là, elle fait telle chose. Parce que le frère, machin, est dans la roca, il m'a expliqué que les djinns, ils peuvent savoir les choses. C'est pas les choses du raïb, tu vois, c'est les choses présentes, tu vois, ils vont chercher des informations, etc. Tu vois. Donc, C'est un tu problème pensais clair quoi de tout ça? d'éducation, c'est l'éducation totale. Comment tu, c'est comme si moi j'ai mon fils, il travaille pas, mais il roule en Merco. Oh, tu vends mon ami, tu vends. Tu vois ce que je veux dire? Tiens, ta fille elle sort, tiens, bizarre, elle est pas dans sa chambre la nuit, et le lendemain elle revient avec des, elle me donne 200, 300 euros. Mais je décolle une paste. Mais tu peux pas, c'est l'éducation, frère. C'est l'éducation. C'est l'éducation. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'éducation, subhanallah. Tu La laisses bourgade, pas. il a serré le poing comme ça. Parce que c'est inimaginable, en fait. C'est pas possible. C'est l'éducation. Tu laisses ta fille dehors toute la nuit. Elle est où? Elle est où, frère? C'est un chat perdu, c'est un chien. C'est ta fille. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, elle te ramène des yébis. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est clairement le père, il est out. Il est out, frère. La mère aussi, la Oui, mère. bien Moi, sûr. pour moi, la maman, elle a un lien avec la fille. Tu sais, pour moi, une mère avec sa fille, peut-être sur 10 mamans, il y en a 8, elles savent ce que sa fille, elle fait. Hein. Sûr. Au contraire, des fois, elles Mais veulent. elle est là, elle ferme les yeux, tout ça. Et c'est là qu'on se demande si elle, réellement, elle voit l'importance de cette chose-là. Ben oui, Bien sûr. il y a des Et parents, ils savent très bien que leurs enfants ils vendent de la drogue. Ils vont en vacances avec cet argent-là. Quand ils exactement. viennent Bah, c'est ça. faire arrêter par la police, mon fils, mais tu savais très bien qu'ils vendaient de la Bah drogue. oui, bien Wesh, sûr, bien sûr. il vit comme un ministre, le gars, alors Ouais. qu'il est toujours au quartier, mon frère. C'est l'éducation. C'est l'éducation. C'est l'éducation, elle est catastrophique. Catastrophique. Il n'y a rien Toi, de tu penses religieux. que pour endiguer ça, c'est l'éducation? Bah bien Bah, c'est sûr. l'éducation C'est parce que. l'éducation des parents déjà. C'est même pas Non, mais attends, l'éducation. mais comment ça Comment se fait éduquer les qu'avant, parents? avant notre génération, et moi, de toute mon enfance, j'ai jamais entendu que des noirs et des rebeux. Bah après, bon, si je sais pas, t'as vu des filles du quartier, tu les côtoies, elles vont vendre Mais leur c'est parce corps. que. Mais c'est parce qu'avant, Et tu sais quoi, quand elles vont au poste de police, il n'y j'avais avait pas regardé une émission sur Internet. ça, elles disent quoi, tiens, elles disent quoi? Elles disent, ouais, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Non, mais c'est pas ça, c'est parce que le problème, Mohamed Lamine, le problème, c'est que avant déjà,
même si tu regardes dans les ambiances de quartier, avant, les gens n'étaient pas forcément omnibulés par le fait de faire de l'argent. C'est-à-dire que le capitalisme, il a pris son apogée, là. Tu n'as pas d'argent, tu ne fais rien. Et même chez nous, au sein de la communauté musulmane, et au sein des gens qui se disent d'Odine, tu n'as pas d'argent, tu ne calcules pas. J'ajoute une précision à ce que tu as dit, Abdallah, de l'argent facile. Parce que si tu veux faire de l'argent en travaillant honnêtement et tout, c'est respectable. Oui. Non, c'est de faire de l'argent en faisant le moins de choses. Tu vois, avec les influenceurs, les influenceuses, etc. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que c'est ça, ça. Tu fous rien de ta vie, tu fais rien, tu es à Dubaï, tu touches je sais pas combien, etc. Et tout. En fait, il n'y a plus le culte du travail. Tu veux de l'argent, il n'y a pas de problème. Va ouvrir quelque chose, va bosser, on te respecte. Mais là, c'est du travail, c'est devenu, on veut de l'argent sans rien faire. Donc forcément... Mais comment nous on a banalisé ces choses-là? C'est que le problème c'est que les parents dans les quartiers, moi je voyais pas ça. Moi j'ai traîné dans tous les quartiers. Hein. Je pense que dans 91, 92, je sais pas 94. C'est des choses que tu voyais pas. Aujourd'hui t'as des petites que tu as vu grandir. Tu les as vu grandir. Maintenant, ils sont dans la prostitution. T'entends, elle, je sais pas, avant, moi, c'est une escorte ici. Mohamed Lamine, avant, il y avait des choses qu'on ne voyait pas également. Pourquoi ? Avant, même avant, si tu marches dans les quartiers populaires, tu ne voyais pas des jeunes comme ça de 14 ans, 15 ans, avec des bouteilles d'alcool dans la main. C'est des grands du quartier qui vont te mettre des gifles. Bien sûr. Même des gens qui ne sont pas dans le dîme, des gens qui ne sont même pas musulmans, vont dire, toi, tu tises comme ça même la journée, ils vont te mettre des gifles. Ouais. Toute la société, elle nous éduquait. Voilà, ça a réprimandé la chose. Maintenant, comme à l'image de la société actuelle, il y a le narcissisme, et ça veut dire, fais ce que tu veux, si tu dois tuer, tu fais ce que tu veux, mais fais de l'argent. C'est ça, en fait, le truc. Ça veut dire, le résultat, on doit faire de l'argent. Ouais. Tu vends ton corps, au moins tu as de l'argent, vas-y, t'as fait de l'argent. Avant, c'était pas ça. Et le problème, c'est que l'éducation des parents n'a pas été adaptée pour beaucoup pour être aux antipodes de ce que véhicule la société. Qu'est-ce que tu as proposé comme alternative à ton enfant pour pas qu'il tombe dedans ou pour qu'il n'y voit pas un intérêt vraiment primordial dedans. Et ça, c'est des problèmes, comme je te dis, que le musulman, il doit traiter. Si on parle de la foi du vendredi, mais c'est des sujets comme ça qu'on doit traiter. Bah oui, exactement. Mais le problème, c'est que dans les mosquées, tu as des imams, ils n'ont pas ce qu'on appelle en arabe « ma'arifat al-mad'u ». Ils ne connaissent pas les gens à qui ils prêchent. Ils ne savent pas parler français, ils n'ont pas grandi en France. Frère, il vient, il te parle que des aumônes, il faut qu'on sorte à la mosquée, il faut ci, il faut ça. Jamais ils vont traiter ces problèmes-là. Et la prostitution, les femmes musulmanes qui donnent leur corps, maintenant, c'est devenu quelque chose de normal. C'est devenu quelque chose de normal. Elles vendent leur corps. Et quand tu leur dis, mais tu dois pas faire ça, elles te disent, c'est mon corps, il m'appartient, je peux faire ce que je veux. Et moi, pour moi, l'un des gros problèmes, c'est les parents. Les parents, le père qui pousse sa fille à aller travailler, mais normalement c'est toi qui dois subvenir aux besoins de ta fille jusqu'à... Comment tu pousses ta fille à aller travailler comme ça? Et c'est comme ça que beaucoup de sœurs, elles travaillent dans le haram, etc. Des fois, elles veulent se marier, elles veulent vite partir de chez elles. Parce que le père, il la pousse à aller travailler. Bon, ça va couper. On reprend tout de suite, Inch'Allah.